Et salut tout le monde, c'est Canou pour cette FIFA World Cup 2023 féminine, la Coupe du Monde FIFA 23. On le dit aussi en français, ça commence direct par un gros tacle de la Norvège. Petit carton, il faut montrer dès le début de match. Voilà, montrer dès le début de match, on ne veut pas de ça dans ce match de 8e de finale, le deuxième. Japon-Norvège, je dis Japon qui va gagner 2-0. 2-0 pour le Japon. Je verrai à la mi-temps si ça change selon moi, mais je ne pense pas. En tout cas, dans la vraie vie, j'aurais mis le Japon sans hésiter. Par contre, dans le jeu, la Norvège est censée être plus forte. Bon, ça veut rien dire. Mais quand même, c'est déjà un plus. Le Japon qui garde bien le ballon pour le moment. J'aime ça. Côté gauche, allez. Oup, voilà. Maintenant, il faut aller dans l'axe. Et on tire. Ouh, dommage. Quel arrêt. Double arrêt pour moi. Vraiment deux arrêts magnifiques de la Norvège. Ah, dommage, j'aurais pu passer. Oh, bien joué la touche. Voilà, on revient. Pas beaucoup de monde. Ouh, ça peut un petit triangle. Non, ça passe pas. Ouh là, il y a eu un quadruple saut après cette faute. Et la Norvège qui part en contre-attaque. Allez, vous poussez. On peut encore pousser un petit peu. Oh, dommage, c'était un petit peu trop. Ouh, ça va sortir en touche pour eux quand même. C'est déjà bien. Oh. J'aurais pas mis là, mais bon, ça passe. Allez, là, il faut centrer. Paf. Ouh. Oh là 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 là, ce que l'on a vu. Oh, j'y ai cru. Hein. La Norvège, ça y est, elle est là. Elle s'est réveillée, la Norvège, là, depuis quelques minutes. Ouh, le tacle assassin du Japon. Eh, le match, là, il est d'un jeune. Hein. Et je dis pas ça parce qu'il y a des Japonais. Voilà, c'est la seule blague que je sortirais là-dessus. On n'en parle plus. Mais ça y va fort, ça y va fort. Comme mes blagues, ça tacle fort. Allez, le Japon, moi j'y crois là. Là où vous avez fait une petite frayeur. Allez, là, faut bien un petit carré côté gauche. Mais pourquoi tu fais un geste technique comme ça là? T'as pas besoin, y'a personne. Oh non. La Norvège qui repart à l'attaque, c'est pas bon. C'est pas bon quand la Norvège attaque. Je ne pourrais pas être commentateur, j'aimerais toujours trop une équipe au-dessus de l'autre. Je ne serais pas resté impartial. Ah, ça tourne. On cherche l'espace. Et voilà, c'est trouvé. On tire, c'est but. Les gardiennes sont vachement fortes. Je sais pas s'il y a eu un patch ou quoi, mais comparé au match de poule que j'avais joué, là, les gardiennes, ils arrêtent vraiment énormément de ballons. Ouh, la gardienne du Japon. C'est Godzilla. C'est un monstre. Allez, là, le Japon, il faut soit garder le ballon, soit le dégager. Ou les deux. Dégager, garder le ballon, c'est pareil. Allez, maintenant, il faut monter. Là-bas, à gauche, il faut faire le décalage, allez. Oh, c'est bien vu, ça. Ouh. Il y a eu une faute, hein. Il y a eu un laisser l'avantage. Alors, je sais pas où est la faute. En tout cas, il y a hors jeu. Et c'est la mi-temps 0-0. Et deuxième mi-temps 0-0, Japon-Norvège. Je vais pas vous mentir que ce match est très indécis, même dans ma tête à l'heure actuelle. Souvent, je me laisse un petit changement de score à la mi-temps. Je vais sûrement le changer parce que je pense que... Oh là, la gardienne du Japon est trop forte. Et ça va finir par rentrer un moment ou un autre. Je dis 2-1 pour le Japon. Il faut savoir que celui de la mi-temps ne compte pas. Mon score premier était 2-0 pour le Japon. Mais la Norvège pousse tellement que je me dis, la gardienne ne peut pas faire que des miracles. Elle n'est pas Fabien Transversal, vous voyez. Pour ceux qui connaissent ma série. Et pourtant... Ouh là, c'est dedans. Ouh, faut revenir. Oh, punaise. Oh, 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 le Japon. Le Japon, c'est un peu le Titanic, quoi. Plus le temps passe, plus on voit le nez du bateau.
Et c'est pas bon parce que plus il coule. Ah, c'est bien fait, l'appel. Elle est bien jouée, c'est vu. Tire de loin. Oh, pareil. Hein. Les gardiennes, là, font le café. Hein. Franchement. Allez, là. Il y a du monde. Hein. Voilà. Tac. On refait un petit tac, tac, tac. Oh, hors jeu. Oh, mais l'arrêt est encore magnifique. Hein. Il était même pas dedans. L'arrêt est magnifique. C'est parce que je mets jamais de titre, hein, mais enfin, je mets pas de titre avec quelque chose sur le match. Mais ça aurait été les gardiennes en fire, quoi. Ouh, t'aurais dû décaler sur la droite, peut-être. Mais le tir est beau. Je suis content d'avoir vu ce tir. Contré, mais très beau. En tout cas, pour le moment, 50% encore une fois, comme le match d'avant. Suisse-Espagne, 50-50 de possession. Et là, ce match est très tendu. Hein, vraiment, ça part en tous les sens. Mais je pouvais pas en attendre moins du Japon. Et la Norvège qui répond bien aussi. Hein. Allez, paf. Ouh, dommage. Oh, ça passe quand même. Ah, dommage. Ça aurait pu mieux se goupiller. Mais cette fois-ci, ça tout revient dans les pieds de la Norvège. Comme l'Espagne avec la Suisse. Où tous les ballons de la Suisse retournaient dans les pieds de l'Espagne. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller le voir. Allez, tac, triangle maintenant. Triangle. Triangle. Tire, alors rond. Perd le ballon. Ils se sont perdus. On peut aller aux prolongations, hein. On peut même aller au pénalty. Hein. Je tiens à le dire. Si vous voyez que la vidéo dure plus que 7 minutes, c'est qu'il risque d'avoir des petites pénalties. Peut-être 8, parce qu'on est déjà à 7 à peu près. Avec mes coupures que je vais faire, bon. J'ai peut-être parlé trop vite. La Norvège qui va marquer, forcément. J'ai parlé trop vite. Ah, la Norvège, franchement, je l'avais dit en début de mi-temps. C'est sûr qu'ils allaient marquer. C'était sûr. Heisenberg, tout ça. Bon, comme d'hab, hein, c'est un but légende, quoi. Hein. On fait des passes jusqu'à arriver au centre. Ah non, c'est Egerberg. C'est pas Heisenberg. Elle a trop de cheveux. Ouh, ça essaie de découper du japonais en sushi. Le Japon qui peut encore aller marquer. Hein. S'il monte, ça peut encore marquer. Enfin, là, elle est un peu délaissée, donc oui, non, ça finira pas. Bon, voilà, c'est fini, au revoir. J'ai rien dit. Peut-être le 2-0 même pour la Norvège. Pour bien m'humilier, j'avais dit 2-0 pour le Japon. Ah bah oui, bah oui, c'est donné, 2-0 pour la Norvège. L'élimination est totale pour moi. Ah, oh merde, c'est un but de dernière minute. Ah, c'est les quarts de finale, hein. Ils sont qualifiés pour les quarts de finale. Hein. C'est beau. Bien joué, mesdemoiselles. Dommage pour le Japon. Mais je pense que dans la vraie vie, le Japon va se qualifier. Hein. Ça, c'est sûr.